prospérité régnait sur la troisième terre, du temps où un seul empire gouvernait tous les autres, avec une main de fer et dans un esprit de justice. Et bien qu'annoncé de longue date et volontairement ignoré de tous, la tragédie à venir était plus que nécessaire. Car il était écrit que naîtrait des flammes un roi qui guiderait son peuple à la victoire après avoir vaincu l'esprit ancestral du mal. Chaque fois qu'on arrive dans cette partie de la ville, tu te mets à trembler. Où vas-tu comme ça, sac à puce ? Viens par là ! Paye si tu tiens à la vie ! Je sais que ce ne sont pas des chats, mais personne ne mérite d'être traité ainsi. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Ça commence mal. Toi aussi, tu dois payer. Ça t'apprendra à débarquer ici sans être invité. Quelque chose me dit que c'est toi qui vas payer. Merci, Snarf. Toi, je vais te broyer et te mettre dans ma soupe de poisson. Je m'en serais sorti tout seul, mais qui dois-je remercier pour ce coup de main? Félibel. Bonjour. Bonjour. Je me demande ce que penserait le roi s'il apprenait que son fils se bat dans les ruelles avec les chats errants. Mais c'est le prince! Sauf qui peut! Ah, j'avais pourtant pris la plus vieille de mes capes pour me déguiser. Je peux savoir ce qu'il y a d'aussi précieux par ici que tu ailles jusqu'à risquer ta vie? Oh, ça dépend. Tu sais garder un secret? Il sait que c'est un jour important. Où est donc passé ce garnement, Jaga? Essayez de vous montrer indulgent, Claudius. N'oubliez pas que votre père aussi se plaignait de votre comportement lorsque vous aviez son âge. Contrairement à lui, je n'ai jamais manqué à mon devoir de prince. Que faire pour que ton frère te ressemble davantage, Tigro? Je crois que vous demandez l'impossible, père. Lion-O, entre, entre, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Jorma vend des choses impossibles à trouver, des objets rares. Tu veux dire que c'est un spécialiste du marché noir? Non, bien plus que ça.